Je dis à la vidéo ça, et pour ne pas créer confusion, je vais dire nous pour quelle raison qui fait moi quitter Monterrey, moi tourner pour me capable stable Mexico City plutôt. Mais avant même que m'explique nos raisons yo, m'a répondre à plusieurs commentaires que moi si tout yon qui moi récemment là en bas vidéo côté me lagué yon partenaire ensemble avec une dame qui est en République dominicaine qui actuellement là a protesté pour qu'il soit capable de jouer une résidence. Mon nan dit comme ça li yon ti jan confuse parce que pour qui raison gen un parti moun qui a plaigné que yo pas ka jwenn travail que yo pas légal et puis tout gen un parti de moun qui dit que yo bien yo à l'aise et yo a travail. Bon, ou déjà dit lui et pas seulement moun a plaigné pas ka travail mais aussi moun a plaigné parce que li illégal. Et si moun nan illégal, li pa parler langue nan ou bien pas dégager nan langue nan même malgré ça gen moun qui jwenn travail. OK? Malgré ça, il y a des gens qui ne sont pas légales, qui jouent de travail, qui travaillent. Je connais plusieurs gens qui sont là, qui travaillent. Ça ne dépend pas des zones où il y a. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des gens qui ont des difficultés de langue. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a un groupe de gens qui sont OK. Là. Pas oublier, je te promets que je viens avec plusieurs témoignages des gens qui ont des temps. Des gens qui ont des temps ici, qui sont légales, qui ont fonctionné hier. J'ai un ami qui a 12 ans en Mexique qui t'a contacté, m'a félicité pour le travail là. Bientôt, m'a eu un dialogue ensemble avec lui pour qu'il soit capable et ben nous quelques orientations et quelques informations de comment il est arrivé ici et comment la vie ici là tout. OK. Et quand il y a là, on aller dans Socalo, moi la plein chef. Yo, il est fermé. Ou bien on va quitter tout le monde entrer. Il y a un pile monde dans la rue aujourd'hui. Là moi dans centre-ville là même, dans centre-ville là, OK? Édifice que n'a regardé l'autre bord là, gratte-ciel là, c'est là me démonter. Léona, pour qui raison ou quitter Monterrey pendant ce temps, on t'a dit que on t'a prêté Monterrey. On pas t'aller rester pour un peu le temps. Et aller m'était aller Monterrey là, m'tal faire un essai pour me dire est-ce que m'tap ka vivre Monterrey. Moi pour aller nous raison parmi yo qui peut-être qu'il doit pas raison pas ou yo même. Ça veut dire dès que me quitter Monterrey, ça pas veut dire que ou même qui Monterrey ou obligé quitter ou bien ou même qui t'es pensé aller Monterrey ou obligé pas aller parce que Léona qui Léona quitté là il quitter Monterrey. OK, moi il y a plusieurs raisons. Première raison qui fait me quitter Monterrey c'est parce que Monterrey c'est pas là qui gagne une communauté haïtienne qui centré dans pays là. Ça veut dire nous déjà qu'on est pour faire travail pas maintenant faut me une communauté pas seulement monde qui de passage mais aussi moins besoin une communauté. Et moi arrivé découvrir que dans Mexico City, il y a une organisation haïtienne, majorité haïtienne qui décide de rester dans le pays, c'est Mexico City, dans la capitale là, qui est Wabjunio. Nous avons remarqué, depuis que je suis venu à Mexico City, je suis plus de vidéos pour me faire. OK? Ça veut dire, ici là, dans Mexico City, je suis dans le centre là. C'est là que je suis plus haïtien, plus de monde pour me capable connecter dans la communauté. Là. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, hein, c'est parce que je suis un monde qui a un projet de voyager en pile, pas seulement dans le territoire mexicain, mais aussi aller dans l'autre pays. Là, ça va présenter, par exemple, va avoir un visa dominicain. Je vais aller pour la République dominicaine, pour faire la deuxième saison la vie ici dans Saint-Domingue, pour visiter quelques membres de la famille qui trouvent là-bas. Et ici, là, son point stratégique, il y a deux gros airports internationaux. Et actuellement là, il y a un vol ici là pour aller en Chine direct, juste pour avoir un exemple. Et bientôt, je vais aller au Brésil, je vais aller au Chili, avec un paquet de l'autre pays côté moi qui a toujours fait travail pas maintenant. Ça veut dire, je sens que si Mexico City, la plus bon pour moi pour déplacement. Un pour exemple, bientôt, je vais aller à Tapachula. Si je sors de Monterrey, il faut me faire escale ici là. Ça va arriver. Je n'ai pas l'avion qui tout fait ce qu'elle avait, ou bien m'obliger à faire deux billets pour m'aller à Tapachula, par exemple. Mais pendant là, je vais aller direct. Et Monterrey, l'île en nord, à 3 heures de frontières avec les États-Unis. Les gens qui vivent là-bas, tout pas une communauté qui stable vraiment. C'est quelques petits grains de monde qui choisissent stable. Ça vient de faire que.
Et moi dit bon, Mexico City a plus bon pour moi. Ça, moi t'en bail deux raisons déjà. Première, c'est parce que et pas gagne une communauté haïtienne là-bas vraiment. Voilà. Deuxième non, parce que il un point stratégique pour moi côté toute bagaille que m'a besoin hier, c'est la centre-là et toute ambassade, tout son besoin à venir là. Troisième raison, hein, Monterrey c'est une ville qui cher en pile. Monterrey cher, on va prendre un exemple oui. Et m'étais en côté dans une chambre avoir dit meublé, il bon plus l'autre service là-dedans. M'ta payé 4000 pesos par mois. Pendant 7 ans avec 4000 pesos ça, gen zone dans Mexico City, m'a joindre un appartement même deux chambres à dormir. Bon quand on dit quand on ka une côté 4500 5000 même 4000 là même ça va dépendre des zones là. Manger plus cher, transport plus cher, toute bagaille plus cher dans Monterrey. En tant que un monde que ça m'a fait, c'est travail sous profession et puis tout faire business. Moi Monterrey pas bon pour moi. Monterrey plus bon pour moun qui a travail, moun qui gont emploi là-bas. Yo paye plus cher, c'est vrai, salaire plus haut, mais la vie a plus cher Monterrey. Moi même c'est sur réseau m'a bougé avec l'autre petit business moi qui me fait. M'dit bon, pas qu'à un côté m'a dépensé tout comme ça et m'ai temps faire comparaison prix plusieurs bagaille Monterrey avec ici là. Dit Monterrey yo plus cher pendant ce temps ici Mexico City yo plus bas prix. Ça c'est calcul là. L'autre bagage encore. Ici le travail paye moins cher dépendamment des postes là que Monterrey. Mais la vie a plus bas prix. Quand là moi même pour choix pam, je choisis vini Mexico City bito. Mais c'est pas tellement pour trop cher non parce que si on fait comme quand même faut dépenser. Mais moi même plus vini ici parce que m'a vienne plus bagage pour me filmer. J'ai une communauté qui est stable, j'ai plus de connexions que je viens à travers, pas seulement avec Haïtiens, mais aussi avec Mexicains. La fin dans la capitale du pays, c'est là pour les créateurs de contenu, les gens qui créent du contenu pour les réseaux arrêtés. Ok? Pour qui raison? Parce que j'ai plus d'activité, j'ai plus de choses pour faire. Regardez un exemple, la vidéo que je fais ici là, avec la vidéo que je fais à Monterrey. Ok? Allez, je vais vous dire honnêtement différent. Ici là il y a plus côté, il y a plus bagaille pour mon filmer, OK? Et Monterrey c'est une zone industrielle, il y a pile compagnie, il y a pile travail, tout côté passé. Si tout le monde qui chauffeur de vous a une licence ou légal ici, on va faire un pile comme chauffeur. Mais même ça avec là-bas, ici là il y a pile travail tout. Seulement salaire qui doit pas même mais coût de vie pas même tout. D'accord? Qui est notre raison encore? Moi, c'est trois raisons ça au plus oui qui fait venir ici là. Premièrement, je trouve là-bas trop loin pour moi parce que je suis trop dans le nord. Je suis pas dans le centre pays là. Mais côté de Mexico City, je suis dans le centre pour nous point stratégique pour que je suis capable de faire déplacement aller tout côté facilement. C'est ça qui fait venir là. Coût de vie à trop cher là-bas parce que si on monte ça avec tes droits de travail. Et je n'ai pas un job là-bas, parce que je me suis dit que je travail. Mais après, je me suis dit que plateforme, je n'ai pas avancé. Et je suis un business qui m'a l'autre business qui m'a géré tout. Je me suis dit non, stratégiquement, c'est Mexico City pour mieux. Parce que je fais business ni pour Haïtiens ni pour Mexicains. Et ici, là, je viens plus de mon business moi, que Monterrey. Ok? Alors, ou même qui pensez aller à Monterrey, je ne pas découragé ou aller. Parce que ou même peut-être c'est travail pour travailler dans un compagnie quelconque pour faire un cob pour gérer tête tout mais moi même non moi j'ai un business et il y a un même business que j'ai business principal que j'ai c'est ça m'a fait là m'a créé contenu ça veut dire business ça lui même le plus ou moins rentable pour moi comme m'a fait sous l'IA me dit bon on pas cacher à un côté c'est seulement lever me lever à le filmer à le produit vidéo, je pas dans un job, je dis, bon, venir à Mexico City, mais moi, je peux toujours aller. Si c'est pour travailler, je vais travailler. Okay? Après ça, il y a une rectification pour les gens qui disent comme ça, pour qui ça a une partie des gens qui plaignent, et pour qui ça a une partie des gens qui disent bien. On va toujours jouer ça. Ok, gens qui plus à plaignent, c'est les gens qui dépassage, les gens qui ne peuvent pas gérer là, c'est les gens qui. Et justement,
yo tant si BB1 yo pas chercher légaliser tête yo pas bon sou pas légal dans pays bon paquet avantage ou pas ka jouer vraiment et barrière toujours plus difficile pour OK mais depuis c'est monde qui gagne résidence dans Mexique depuis c'est haïtien qui gagne résidence dans Mexique ou après que haïtien ça ou pas capable d'activité si mon n'a pas travail c'est lik pas vle soit pas gagne compétence même si pas gagne compétence ou pas gagne profession bon paquet travail informel qui va venir quand même. Mais laisse ça au travail informel ou non job informel ou travail légal, d'accord? Mais j'espère que me répondre à une question pour me dire comme ça. Ah, pour j'aime te vendre Monterrey et puis qu'on y a me quitter. Non. On t'a fait vidéo, chaque côté moi fait m'a toujours fait vidéo. M'a bon ça qui positif, ça qui négatif des zones. Mais par contre, m'a choisi côté m'veux m'rete. Ça lui dit c'est choix pam. D'accord? Alors, merci d'être content de regarder vidéo ça. Moi dans ville là, moi dans Mexico City, mais il est difficile de monter en haut là-dedans. Hein? Mais il est difficile de monter en haut net là. On a songé vidéo ça. Alors merci d'être content de regarder vidéo ça. Et pour mon cap dit Mexico City pas bel lieu, regardez attendez. Dans partage un paquet de vidéos avec nous déjà. En pile bel côté. Et mon paquet l'autre vidéo qui va venir, OK? Bye bye. À la prochaine. Quittez un commentaire et puis n'a pas dans l'autre vidéo.